On est vendredi et je suis amoureux de Jésus, mais pas seulement. Lis ta Bible! Bonjour la famille, je suis le pasteur Tito Mouchebele et vous regardez Lis ta Bible. Chaque jour, je partage quelques versets de la Bible et on fait une petite étude biblique ensemble. Le texte du jour est Genèse chapitre 14, verset 24. Prends quelques secondes pour lire avec moi. Tu es prêt? C'est parti. Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné. Aner, Escol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Il n'y aura rien pour moi. C'est une phrase que j'aimerais qu'on entende plus. Pourtant, on est tellement égoïste. Mes projets, mes principes, ma bénédiction, ma foi. Moi, je veux, moi, je dis, moi, je pense. On a besoin de plus d'hommes comme Abraham qui sont dans l'humilité et l'abnégation. Abnégation, sacrifice personnel total au bénéfice d'autrui. Rien pour moi, plus pour les autres et toute la gloire à Dieu. Vérité à retenir. N'oublie pas tes compagnons de guerre, ceux qui ont combattu avec toi, tes compadres, tes nakamas. On dit souvent que l'église est la seule armée qui abandonne ses soldats blessés sur le champ de bataille. Hey, n'oublie pas ceux qui sont tombés, n'oublie pas ceux qui ont gaffé, ceux qui ont tout foiré et ceux qui sont blessés. Sois fort pour tes amis quand ils sont faibles, afin que eux soient forts pour toi un jour. N'oublie pas tes compagnons. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la liker, la partager à tes amis ou t'abonner à ma chaîne YouTube. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Passe une superbe journée et n'oublie pas, sois la lumière du monde. Yes. Un peu de pub, je ne suis pas sponsorisé, mais River Agrumes, c'est la vie.